que M. Durand avait ça, quoi, qui tient un hôtel et un restaurant. Il y a 3 ans, il avait un fermier qui exploitait 13 hectares. Alors donc les 8 hectares, depuis ça va faire 3 ans au mois de septembre, il les a demandé plusieurs fois, il n'a jamais voulu les louer. Mmh. Alors qu'ils ne sont pratiquement pas exploités, quoi. Il a quelques bêtes dessus, c'est un herbagé, et il en tire pour profit, quoi. Le syndicat de la région, enfin du canton, a été voir M. Durand à 2 reprises, enfin l'invitant bien gentiment de vouloir faire un bail à Ogar avait besoin. Mmh. Parce que c'est Ogar qui les demande à 15 hectares, et ils sont deux, il y a lui et puis son gendre qui vivent là-dessus, alors que l'autre est tout seul avec 3 professions sur pratiquement 80 hectares. Mmh. Alors, on lui demande qui loue, on voudrait arriver aujourd'hui à lui faire signer un bail pour les 8 hectares que lui demande son voisin. Et alors, comment vous allez procéder? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est presque, enfin, on veut arriver presque par la force, si je pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que là, depuis la première fois au mois de février, donc, quand le syndicat local l'a rencontré, il n'a pas voulu. Depuis, il y a une quinzaine de jours, il y en a 2 responsables syndicaux de la région qui ont été le voir, et toujours, il a toujours refusé. Alors là, on a un bail, et puis on va dire qu'on veut le rencontrer, et puis lui prouver que les agriculteurs sont solidaires de son voisin. C'est chez lui, ici. Bienvenue, ça va.